Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tout d'abord. On se retrouve sur Fallout 4. Bon, par contre, la vidéo ce coup-ci sera un petit peu spéciale parce que, comme on est le week-end, j'ai un petit peu tout le monde à la maison, c'est-à-dire ma femme, ma fille, les deux chiens ainsi que le chat, qu'on voit d'ailleurs, non, de l'autre côté, on le voit derrière sur la vidéo. Et tous les animaux font leurs bruits différents, alors j'espère qu'ils ne vont pas trop nous gêner pendant la vidéo, mais bon. Alors, il y en a qui m'ont demandé pour voir la tronche du chien que je vire à chaque fois en claquant des doigts. Alors, ce chien-là, c'est le chien le plus casse-couille, hein, je le dis tout de suite, hein, franchement. Il est là. Je sais pas si on va le voir. C'est cette chose, un bulldog français qui ronfle, qui pète, qui chie dans la maison, bref, un superbe chien. Et celui qui m'a pété ma lampe pour faire mes vidéos, on le voit pas. On le voit pas, on le voit pas, je suis désolé. Princesse! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ah là, on la voit bien. Bon, bref. Après que ces petites présentations, je vais rebrancher le câble sur mon PC si vous le voulez bien, pour éviter qu'on ait un petit souci d'enregistrement. Et nous nous retrouvons à Trinity Tower pour parler d'une figurine qu'on va trouver bah, à cet endroit. Au passage, ça vous permettra de trouver un compagnon, Strong, un super mutant qui parle comme un humain, qui réfléchit comme un humain. Bon, il est un petit peu taré sur les bords, mais ça fait un compagnon en plus. Une fois que vous serez donc à cette destination, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de cette tour. Alors, vous avez un signal radio qui s'affiche quand vous vous approchez de cet endroit, qui vous permettra de détecter une personne qui est retenue prisonnier dans ce lieu. Et en même temps que vous allez libérer cette personne, vous allez pouvoir récupérer Strong, ce fameux compagnon. Ainsi que la figurine, c'est très important de le préciser. Alors, il faut monter, voilà, bouton d'appel. Faut aller tout en haut de la tour de toute façon. Alors évidemment, on va avoir quelques ennemis à éliminer. Alors je vais baisser un petit peu le son. T'as pas le... Parce que le son de la télé est un petit peu fort, je vous avouerai. On va poursuivre notre route. Alors attendez, 2 secondes. Voilà, la télécommande, elle est là. Je suis désolé. On va aller éliminer tous ces super mutants. Un molosse mutant. Avec de la chance, on en aura un qui sera légendaire, ce qui nous permettra de récupérer une arme unique, peut-être. Comme vous pouvez le constater, il faut absolument chercher tous les chemins disponibles pour monter en hauteur. Je vais prendre quelques steampacks parce que je vois que ma vie elle baisse. Frappeur super mutant, bah il va pas faire long feu. Ah, oula. Alors, ma vie est pas encore trop mauvaise, même quasi parfaite, parce que je suis presque à 100. Sauvegarde automatique, sympa pour le bug. Ah! Ah les boules! Ah les boules, je suis descendu. Vous voyez, on a un autre moyen de monter. Frappeur. Le frappeur, il frappe pas grand-chose. Alors, voilà, il est là l'ascenseur à prendre. C'est sûr que l'autre, on risquait pas d'aller plus haut. Au passage, vous pouvez visiter le lieu, hein. Ça fait des ressources à récupérer, comme d'habitude, ainsi que des munitions, des armes, etc. Un canigou est en mode attaque là. Oui. Ah bah tu peux bailler.
Ah, le tour en ascenseur il est vachement long là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Par ici, pour l'instant rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de monter le plus haut possible. Évidemment, on va tuer tout ce qui se trouve sur le passage. Il faudra ouvrir cette porte pour pouvoir monter au dernier étage, si je me trompe pas. Oula, Fist, d'accord, avec un minigun. Alors c'est dommage, ce sera pas une arme unique, puisque c'est pas un ennemi légendaire. Ça fera quand même des munitions pour ceux qui aiment bien tirer avec le minigun. Voilà, éliminé. 140 munitions de minigun, c'est pas mal. Alors, moi je vous conseille de prendre la clé de la cellule, c'est plus simple quand même. Clé de la cellule de Trinity Tower, capsule, cartouche, hop. Et une fois que c'est fait, que vous avez tué tous les super mutants, vous avez, voilà, quelqu'un à libérer ici. Alors, on va passer un petit peu le dialogue. Je vous laisserai soin de le découvrir pour que ça vous fasse votre propre plaisir. Ouvrir la cage, voilà, directement. Comme ça, vous voyez, il y a un super mutant. Et c'est cette personne qu'on va pouvoir récupérer comme compagnon. Ah, d'abord, je crois qu'il y a un petit peu de baston. Escarmoucheur. Ah, ceux-là, ils sont un peu plus chiants à tuer en général. Là, ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Ah. Alors, sur le. Qui c'est qui me tire dessus? Voilà, toi. Allez. Enfin, toujours est-il que notre figurine, elle est là, dans la cellule où vous récupérez votre compagnon et la personne à libérer. Les dégâts critiques augmentent de 25% pour toutes les armes de corps à corps. C'est un bonus permanent. Alors, attendez une seconde, s'il vous plaît. Ah, parce que le chat, il ronfle quand même pas mal. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais... Col miracle. Ah, je me fais taper dessus. Un super mutant. Deux steampacks. De quoi se soigner un petit peu. Par contre, j'ai la vitalité qui commence à bien baisser. Ah, voilà. Après, il faut les escorter. C'est parti. Radix au purifié, poche de sang. Après, le mec, il nous tape la discute. Strong, ici présent, pense que c'est le secret des On va faire la fin du chemin ensemble quand même. Donc c'est quand vous arrivez en bas qu'il vous propose, enfin que Strong vous propose de venir avec vous. Et les munitions de cryolator commencent à baisser. Jamais du tronc ne vit longtemps. Les enfers restés vides, déchaînent sur nos pas, tous leurs démons avides. Ça a pété un câble. Avec résignation aux ces cruelles adversités. Car les sages disent que c'est le meilleur parti. Là, hop, il va falloir faire le tour pour trouver la seconde passerelle. Alors évidemment, il va y avoir des super mutants à éliminer. Ah. On va pas laisser Strong se battre, sinon il y en a pour 2 heures. Et lui il est à la masse pour l'instant. Allons, il a récupéré un fusil. Bon, si tu viens pas, monsieur Rex Goodman, moi je descends sans toi. On va descendre, Steampack, Radaway, eau purifiée. Au passage, ça nous fait des petits ravitaillements, hein. Ça fait toujours plaisir. Alors toujours des ennemis, pourquoi j'ai pas touché celui-là, je sais pas pourquoi. Ah, par contre c'est dommage parce que je suis venu ici de nuit. Ah, du coup on voit pas grand chose à l'extérieur, c'est pas cool. Coucher. Massacreurs, ils sont quand même assez balèzes.
40% de vie si j'arrive à lire correctement. Je vais quand même me remettre un petit peu de vie. Et normalement, on va arriver en bas dans pas longtemps. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une passerelle. J'aurais pensé qu'il y avait des documents techniques, mais même pas. Où est-ce qu'il est, le super mutant? Est-ce qu'il est le méchant? Là, ici. J'entendais, mais je le voyais pas. Comme ça, on va pouvoir descendre. Et après, il y a Monsieur Rex Goodman qui va nous parler et nous remercier pour sa libération. Et on va pouvoir récupérer Strong juste après. Par contre, je vois qu'il reste deux super mutants dans le coin. Voilà, conduisez Rex en lieu sûr, parlez à un Rex Rex, Goodman. merci de nous avoir sauvés. On peut dire que c'était moins une. Que faisiez-vous là? Payez-moi de rien, crétin. Bon. Que faisiez-vous là? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette tour? Je me suis dit que si les super mutants ne venaient pas à la culture viendrait à eux. J'essayais de les Logique. civiliser. Je pensais qu'en leur faisant entendre toute la majesté de Shakespeare, leur vision du monde serait bouleversée et ils seraient transformés à jamais. Et qui mieux que Rex Goodman, le plus grand acteur de notre époque, pouvait leur faire découvrir les mille et une merveilles de l'œuvre du grand dramaturge? En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne Ça, à c'est sûr. Strong est disponible pour vous accompagner. On l'a vu passer vite fait en haut de l'écran. On va parler à Strong. Cherche l'aide tendresse. Costume de Reginald. Passage. Pourquoi trouver ce lait? Ah oui, alors lui, il veut absolument du lait parce qu'il dit que ça rend aussi fort que les humains, je sais pas trop quoi. Alors viens avec moi, échanger, pas encore. Alors moi, je vais pas le prendre avec moi pour l'instant. Enfin, si, allez. Je vais envoyer Canigou à Sanctuary. Voilà, comme ça, j'irai la récupérer là-bas. Et on a Strong comme compagnon. Alors voilà, du coup on a fini cet épisode qui nous permet déjà d'avoir une figurine et de récupérer un compagnon, ça fait deux en un, pour ceux qui ne sont jamais passés par ici, comme ça au moins ça vous donne une petite astuce en plus pour récupérer ces deux choses. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo.